essayer d'aller le plus lentement possible. Parce que si la descente est longue, si on prend de la vitesse, si on arrive déjà à 15 km/h, ben on sort mal dans la descente, on peut avoir un problème dans le bas. Donc, on a peut-être l'obligation de tourner à droite après. Donc ici, l'exercice va être d'essayer de descendre le plus lentement possible. Donc on arrive sur la craie, il y a un moment où on ralentit et où on va basculer la moto avant nous. La moto, elle va descendre d'abord, la roue avant pas, on ne peut pas descendre la moto. On va être sur l'avant et on peut basculer. On va venir ici, freiner du pas avant, freiner du pas arrière, on descend et on va toucher ses fesses sur la selle et on laisse la moto descendre plus doucement. On descend et on essaie de descendre le plus lentement possible. On déconnecte l'ABS parce que les roues vont caler et on risque d'aller tout droit. Et on essaye de freiner le plus fort possible sans caler la roue. C'est ça le point de glisse. Il faut qu'on essaye de trouver ce point-là. On va freiner de l'avant très fort, à un moment donné on va sentir que l'avant glisse. Là on relâche légèrement le frein, on reprend un peu du frein arrière et on peut jouer avec les deux comme ça. Je vous montre. Et puis dit. Allez, on arrive le plus lentement possible. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Faire patiner l'embrayage plutôt que la roue, tu vois, brrr, tu mets des gaz et tu gardes l'embrayage. Tu vas l'envoyer à côté? About it, covering all up with lies. I try to
un peu, on roule debout. C'est pour ça que c'est bien d'arriver debout, mais de ne pas s'arrêter, sinon on va faire encore. Alors si c'est ton arrière qui glisse, il faut contrebraquer. Parce que si tu passes la roue avant dans une autre arrière, en voulant la passer, la roue ne monte pas et la roue commence à glisser le long de l'arrière, c'est pas bon. Moi je sais, j'y arrive jamais. Les trois quarts du temps, tu passes par terre comme tu veux, tu peux embarquer. Oui voilà. Vraiment le cas figure le plus fourni, c'est ces ornières. Il y a beaucoup de chemins comme ça là-haut. T'as la roue avant qui veut passer dans une ornière et finalement, ah, t'as ressort et elle glisse le long. La roue arrière pousse, on va voir le réflexe super rapide, d'embrayer. Non, d'embrayer pour indiquer que la roue pousse, mais c'est pour de la voir. Peut-être dans des restes, un reste de plus dur, on va embrayer. Yeah.
team's at all.